est à Monsieur Jean Lassalle. Merci infiniment, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres. Bon, je veux m'adresser à Madame la Ministre de la Santé. Je n'avais pas prévu de le faire parce que je considère qu'à partir d'un certain niveau d'indignité, il vaut mieux ne pas revenir dessus. Mais j'ai vu tout à l'heure la désinvolture avec laquelle vous vous êtes conduite, Madame la Ministre de la Santé. Je ne me faisais pas beaucoup d'illusions sur la grandeur de votre cœur, ni sa profondeur. Écoutez, je ne vous interromps pas souvent, mes chers collègues, mais là, j'ai vraiment été... Eh bien, toi, tu trouves ce que tu veux. Eh bien, moi, madame, je voudrais vous dire que la manière dont vous avez procédé à la fermeture de la maternité de Laurent, au moment où l'on parle du débat homme-femme, de l'égalité homme-femme, mettant à 2h30 de route des femmes dans des vallées lointaines, est absolument inacceptable et ignoble. Je comprends que vous puissiez dire que c'était la faute à Sarkozy, que vous puissiez... c'est de la faute à Hollande, c'est de bonne guerre. Il y a 18 mois que vous êtes au pouvoir maintenant, madame, il serait grand temps d'atterrir. Et moi, je veux vous dire que nous avions trouvé le nombre d'obstétriciens et d'anesthésistes qu'il fallait. Le maire de Laurent, M. Luc Béreille, et l'ensemble de la communauté avaient fait le nécessaire, je ne l'aurais pas rappelé. Mais comme à Saint-Dié, comme à Dermiremont, comme à Chénic Gombert, maire du Blanc, comme partout ailleurs, vous avez fermé impitoyablement. Si vous aviez mis, ne serait-ce que le dixième des efforts, pour garder cette maternité que vous en avez mis à promouvoir votre mari, elle ne serait pas fermée. Merci, Monsieur Lassalle. Mes chers collègues,